Acte chapitre 13, verset 36. We are looking at the pathway of impact. Nous étudions le chemin vers l'impact. I have done great teaching during this convention. J'ai fait de grands enseignements pendant cette convention. For ministers who were not here, you miss your life. Pour les ministres qui n'étaient pas présents, vous avez raté quelque chose. I took time to pour my heart. J'ai pris du temps pour déverser mon cœur. That ministers conference is more than Bible school. Cette conférence de ministres valait plus qu'une école biblique. People are calling me around the world saying, "Sir, keep organizing this one. This one is better for us." Là, les gens m'appellent partout dans le monde en demandant de continuer à organiser cela en disant cela est mieux pour eux. I taught so powerfully during this event. J'ai parlé de façon très puissante pendant cet événement. Get the CD, it will be a blessing to you. Procurez-vous les CD, cela sera une bénédiction pour vous. Tonight, I want to show you the pathway. Ce soir, j'aimerais vous montrer le chemin to impact. Vers l'impact. Acts chapter 12, verse 36. Acte 13, verset 36. For David, after he has served his own generation by the will of God. David, après avoir servi sa génération au dessein de Dieu, fell asleep and was laid unto his fathers and saw corruption. A été réuni à ses pères et a vu la corruption. Father, thank you for the power of your word. Père, merci pour la puissance de ta parole. We can do nothing without you. Nous ne pouvons rien faire sans toi. We deploy treasures from the kingdom of God now. Nous déployons les trésors depuis le royaume du ciel maintenant. Speak through my mouth and be a blessing to someone that hears me. Parle au travers de ma bouche et sois une bénédiction pour quelqu'un qui m'écoute. In Jesus' name. Au nom de Jésus. He said, after David has prayed his generation. On a dit qu'après que David ait prié pour sa génération. After David has fasted his generation. Après que David ait jeûné pour sa génération. Sir, monsieur. The pathway to impact. Le chemin vers l'impact. Is service. C'est le service. Plusieurs personnes absentes à l'église aujourd'hui vont regretter. Parce qu'il y a des vérités que je vais relâcher vers vous. Your pathway to your greatness. Ton chemin vers ta grandeur. Is your service. C'est ton service. God. Dieu. Only look for people at the place of their service. Recherche simplement des personnes qui se trouvent à leur lieu de service. I can show you from Genesis to Revelation. Je peux vous montrer cela de Genèse à l'Apocalypse. All the men that had great encounters in the scripture. Tous les hommes qui ont eu de grandes rencontres dans les Écritures. It was in the place of service. C'était dans le lieu de service. Now, you can have a promise in your house. Mais non, tu peux avoir une promesse dans ta maison. But to have encounter. Mais pour avoir une rencontre. Is in the place of service. Cela se trouve dans un lieu de service. Abraham was in his house.
Abraham était dans sa maison. After 75 years, après 75 années, God came and called him. Dieu est venu, il l'a appelé. He said, "Come, I will bless you." Il a dit, viens, je te bénirai. God gave him a promise. Dieu lui a fait une promesse. Sir, monsieur, God came to confirm that promise. Dieu est venu pour confirmer cette promesse. When he went to offer Isaac, lorsqu'il est allé pour offrir Isaac, that is when God came down. C'est là où Dieu est descendu. Sir, monsieur, for 40 years, pendant 40 années, Moses could not hear the voice of God in Egypt. Moïse n'a pas pu entendre la voix de Dieu en Égypte. When he was going to carry water to give the food of the sheep of Jethro, lorsqu'il allait puiser de l'eau pour nourrir le troupeau de Jethro, it was there that he had an encounter with the Most High. C'est dans cet endroit qu'il a une rencontre avec le Dieu très haut. Zachariah the priest in the New Testament, Zacharie le sacrificateur dans le Nouveau Testament, he had an encounter with the angel while he was burning the incense at the temple. Il a eu une rencontre avec l'ange pendant qu'il fouillait les profondeurs dans le temple. Every encounter not by service is a shadow of the reality. Toute rencontre qui n'est pas sur la base de ton service est juste une ombre de ta réalité. I wish I was speaking to somebody tonight. Combien je souhaite m'adresser à quelqu'un ce soir. Impact. L'impact has nothing to do with prayer. N'a rien à voir avec la prière. Prayer is 5%. La prière représente 5%. 5%. After David. Après que David, I'm taking you to a short journey tonight. Je vous conduis dans un court voyage ce soir. Has served his generation. Et servi sa génération. By the will of God. Par la volonté de Dieu. By the will of God. Selon la volonté de Dieu. By the will of God. Selon la volonté de Dieu. Joseph also served his generation. Joseph aussi a servi sa génération. By the will of God. Selon la volonté de Dieu. And slept with his fathers. Et a dormi avec ses pères. I'm coming to somebody tonight. J'arrive vers quelqu'un ce soir. I release upon you. Je relâche sur vous. The spirit of service. L'esprit du service. Let your amen be very strong. Que votre amen soit plus fort. I release upon you the spirit of service. Je relâche sur vous l'esprit du service. As I was in my prayer room tonight. Pendant que j'étais dans ma chambre de prière ce soir. God said to me, let your statue not influence your service. Dieu m'a dit que ton statut n'influence pas sur ton service. That's why I told you that my message should have caught mama. C'est pourquoi j'ai dit, vous ai dit aujourd'hui que mon message aurait pu attraper mama. Let your status, que ton statut, not influence, n'influence pas. It's believed in our time that mama pastors only sit down. Il est cru en notre temps que les femmes de pasteurs s'asseyent seulement. They just look at church. Et elles observent, regardent l'église. And they call them mommy. On les appelle mommy. It was something you did before God brought you to this statue. Il y a quelque chose que tu as eu à faire avant que Dieu ne t'a mené dans ce statue. This statue not make you a statue. Que ce statue ne fasse pas de toi une statue. That you cannot serve. Au point où tu ne puisses pas servir. Number two, let the oil on your head. Deuxièmement, que l'huile sur ta tête not influence your service. N'influence pas ton service. When they put oil on David, 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel chapitre 16, lorsqu'on a déversé l'huile sur David. He went back. Il est retourné. From the place where the oil brought him. De l'endroit où l'huile l'a pêché. The thing that bring you forward. La chose qui te fait aller de l'avant. Can take you backward or forward. Peut te faire rétrograder ou te faire avancer. In fact, your first service can take you up or bring you down. En effet, ton premier service peut te lever ou bien te faire sombrer. Because, let me explain. Parce que j'explique. Do you hear what I'm teaching? Est-ce que vous entendez ce que j'enseigne? Do you hear what I'm teaching? Est-ce que vous entendez ce que j'enseigne? Do you hear what I'm teaching? Est-ce que vous entendez ce que j'enseigne? Are you sure you are hearing what I'm teaching? Êtes-vous sûr d'écouter ce que je dis? David. David. I do not have time tonight. J'ai pas assez de temps ce soir. To blow your mind. Pour éblouir votre pensée. After he served his generation by the will of God. Après qu'il ait servi sa génération selon la volonté de Dieu. So even service is by the will of God. Alors le service aussi est par la volonté de Dieu. Not the will of man. Pas la volonté d'un homme. Hey. He was serving a man who wanted to kill him. It was by the will of God. Il servait un homme qui voulait le tuer. Ça, c'était selon la volonté de Dieu. He was serving a man who did not like him. It was by the will of God. Il servait un homme
qui ne l'aimait pas, c'était selon la volonté de Dieu. Don't tell me about what is happening around your service. Ne me parle pas de ce qui se produit autour de ton service. Satan is not after you, it is after your service. Certains ne courent pas après toi, mais ils courent après ton service. Don't tell me they don't like you, your department. Ne me dis pas qu'on ne t'aime pas dans ton département. Because Saul did not like David, but he was by the will of God. Parce que Saül n'aimait pas David, mais c'était selon la volonté de Dieu. So by the will of God, you can serve a man who doesn't like you. Alors par la volonté de Dieu, tu peux servir un homme qui ne t'aime pas. You are not in church tonight. Vous n'êtes pas à l'église ce soir. I'm coming. J'arrive. Le kobani sahanta nuzi. Figini shamba hanto zuza. Balaka. If you go up by prayer, you don't have a future. Si tu t'élèves par la prière, alors tu n'as pas d'avenir. If you go up by prayer, si tu t'élèves par la prière, you don't have a future. Tu n'as pas d'avenir. But if you go up by service, mais si tu te lèves par ton service, he said, after your service generation, il est écrit après qu'il ait servi sa génération. What was this generation? Quelle était cette génération? I will show you three things. Je vous montrerai trois choses. Number one, premièrement, he served his biological father. Il a servi son père biologique. He began to take care of his father's sheep. Il a commencé à prendre soin du troupeau de son père. Until you can take care of somebody's thing, you don't have your own. À moins que tu ne puisses prendre soin des choses de quelqu'un dont tu ne peux pas avoir ta portion. He took care of his father's sheep. Il a pris soin du troupeau de son père. God told me when I was praying now, Dieu m'a dit pendant que je priais, if David left the sheep, si David avait laissé le troupeau without giving it to somebody, sans avoir remis cela entre les mains de quelqu'un d'autre, he won't kill Goliath. Il n'aurait pas tué Goliath. He kept the sheep with someone. Il a laissé le troupeau entre les mains de quelqu'un. He said, hold it, I'm coming. Il a dit, veille sur eux, j'arrive. Hold it, I'm coming, oh. Veille, j'arrive. I'm coming, please. J'arrive. Please, take care of this thing, oh. Pardon, prends soin de ces choses. I'll be back in 10 minutes. Je reviendrai dans 10 minutes. Then he met Goliath. Alors il a rencontré Goliath. Then God turned his, at his service place. Et Dieu s'est retourné à son lieu de service. He saw somebody continuing his service. Il a vu quelqu'un qui continuait son service. He said, now I will manifest myself in the open. Il a dit, maintenant je vais me démontrer publiquement. People are looking for public demonstration without secret service. Les gens recherchent des démonstrations publiques sans avoir offert un service dans le secret au préalable. After your service, generation. Après qu'il ait servi sa génération, can I speak to you tonight? Est-ce que je peux m'adresser à vous ce soir? That I know this ministry can't fail. Je sais que ce ministère ne peut pas échouer. Because 90% of my children are servants. Parce que 90% de mes enfants sont des serviteurs. Because the oil flow from my head. Parce que l'huile coule depuis ma tête. I have been very humbled by their attitude in this convention. J'ai été très humble par l'attitude dans cette convention. I cannot point people. Je ne peux pas citer les personnes. But they serve. Mais ils ont servi. They serve. Ils ont servi. Somebody asked me, a pastor, he said, these people, do they pay them? Un pasteur m'a demandé, est-ce qu'on paye ces personnes? I said, God pays them. J'ai dit, Dieu les paye. God pays them. Dieu paye ces personnes. God pays them. Dieu paye ces personnes. Again, I release the oil to serve on your head right now. Une fois de plus, je relâche l'huile pour servir sur ta tête maintenant. There is no chair for a big man. Il n'y a pas de chaise pour un grand homme. There is only place for servants. Il y a simplement des places pour des serviteurs. Should I repeat myself? Est-ce que je dois me reprendre? God doesn't find sons. Dieu ne trouve pas des fils. He finds servants. Il trouve des serviteurs and show them as sons. Et les présente comme des fils. Hear my English. Vous avez écouté mon anglais. He doesn't find sons. Il ne trouve pas des fils. He finds servants. Mais il trouve des serviteurs and show them as sons. Et les présente comme des fils. Number one, I said David served his biological father. Premièrement, j'ai dit que David a servi son père biologique. He served his biological father. Il a servi son père biologique. He was taking care of his father's sheep. Il prenait soin des brebis de son père.
Number two, he served his spiritual father. Deuxièmement, il a servi son père spirituel. He served Saul and served Samuel. Il a servi Saül et Samuel. Find in the scripture where Saul served Samuel. Recherchez dans les Écritures où est-ce que Saül a servi Samuel. Nowhere. Nulle part. Now, I wrote something in my notes. Maintenant, j'ai écrit quelque chose dans mes notes. When your service life goes down, the influence of your impact is reduced. Lorsque ta vie de service ou ton service réduit, ton impact aussi est limité. When your service life goes down, your impact is reduced. Lorsque ton service se réduit, ton impact aussi est limité. Satan, Satan, it's not after your prayer life. Ne cours pas après ta vie de prière. Satan, Satan, it's not after your giving life. Ne cours pas après ta vie de donner. All this discouragement is after your service. Tout ce découragement là, c'est pour affaiblir ton service. It's after your service. Il est après ton service. It's if they serve him. Il est écrit s'ils le servent. Job 36, 11, they will spend their days. Job 36, verset 11, ils achèveront leurs jours in prosperity. Dans la prospérité. If they serve him. S'ils le servent, they will spend their days. Ils achèveront leurs jours in prosperity. Dans la prospérité. If they obey and serve him. S'ils obéissent et le servent, they will spend their days in prosperity and their years in pleasure. Ils achèveront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans le plaisir. If they pray him. S'ils prient, they will spend their days in battles. Ils achèveront leurs jours dans des batailles. But if they serve him, mais s'ils le servent, they will spend their days. That's why I'm prosperous. C'est la raison pour laquelle je suis prospère. No pressure on my life. Aucune pression sur ma vie. If they serve him, s'ils le servent, if they serve him, s'ils le servent. Your hands towards me. Étendez vos mains vers moi. Carry the oil to serve. Recevez l'huile pour servir. I say, carry the oil to serve. Je dis recevez l'huile pour servir. That is the service you render that even the man who is against you is surprised. C'est pour dire que le service que vous allez rendre, la personne même qui est contre vous sera surpris. David was playing guitar. David jouait à la guitare. Saul brought javelin like that. Et Saül a apporté le javelot. Bim, bim. It's a miracle walking God. He does. C'est un Dieu faiseur de miracles. He continued to play the javelin. Il a esquivé. Il a continué à jouer à la guitare. So the proof of your service. Alors la preuve de ton service. Is known by the opposition about your service. Se fait savoir par l'opposition qu'il y a contre ton service. Not when you are serving people who love you. Ce n'est pas lorsque tu sers des personnes qui t'aiment. When you serve people who appreciate what you do. Ou quand tu sers des personnes qui apprécient forcément ce que tu fais. No. Non. When you are opposite. Lorsque tu es à l'opposé. Everything you do, they don't regard it. Tout ce que tu fais, on ne considère pas cela. And then you continue. Et tu continues. You have come out. Yeah. I don't want to preach this. Je ne veux pas prêcher ce soir. You lifestyle. Je vous montre simplement un style de vie. After he has served his generation. Après qu'il ait servi sa génération. You are not a servant. Si vous n'êtes pas un serviteur, you don't have a future. Alors vous n'avez pas un avenir. The altar you do not serve does not recognize your voice. L'autre dans lequel tu n'as pas servi ne reconnaît pas ta voix. L'autel sur lequel tu n'as pas servi ne reconnaît pas ta voix. Look at me. Regardez-moi. They could not kill one sacrifice in Egypt. Ils n'ont pas pu offrir un sacrifice en Égypte. They could not. Ils ne pouvaient pas. Immediately they came out from the Red Sea. Mais dès qu'ils ont traversé la mer Rouge. Behind the house of Jethro. Derrière la maison de Jethro. Where Moses has served for 40 years. Où Moïse a servi pendant 40 années. They raised an altar. Ils ont élevé un autel. Where he served for 40 years. Là où il a servi pendant 40 années. Now the, your service years will determine your impact. Maintenant, ton nombre d'années de service va déterminer ton impact. He served for 40 years. Il a servi pendant 40 années. And lived for 40 years.
Il a vécu pendant 40 années. Because your service is measurable by your years. Parce que ton service est mesurable à tes années. If you serve him, you will spend your years. Si tu le sers, tu achèveras tes années. So if he served for 50 years, he will live 50 years. Alors s'il a servi 50 années, il vivra 50 années de plus. He served 40 and live 40. Il a servi 40 années et a vécu 40 de plus. You are not getting what I'm preaching. Vous n'êtes pas en train de saisir mon message. Moses lived 120 years. Moïse a vécu 120 années. The first 40 was in Egypt. Les premières 40 années de sa vie, il était en Égypte. The second 40, he went to get to and serve. La deuxième 40 années de sa vie, il est allé se jeter, il a servi. And came back after and lived 40. Il est revenu après, il a vécu 40 Because années. You cannot live above your service. Parce que tu ne peux pas vivre au-delà des années de ton service. Not possible. Ce n'est pas possible. I'm not hearing what I'm teaching you. Vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je vous enseigne. Impact is not for amen. Yes, amen. Yes, amen. It's for people who can serve. L'impact, ce n'est pas pour oui, amen, mais c'est pour des personnes qui peuvent servir. You know to serve? Et vous savez, pour servir, you don't understand. Comprenez pas. To serve. Pour servir, I gave Papa Talina offering today. He said, you insult me. J'ai donné une offrande à Papa Talina aujourd'hui, il a dit que tu m'insultes. No, he told me to teach the people. What are you looking at me? Il m'a demandé d'enseigner le peuple. You people were outside also, you did not know the pressure. If you were inside, you would have understood the pressure. He said, so you brought me here to insult me. Il a dit, donc tu m'as fait venir ici pour m'insulter. This service is not accepted. Ce service n'est pas accepté. If I'm not happy, God is not happy with you. Si je ne suis pas content, alors Dieu n'est pas content envers toi. I came down. Je suis descendu. I told you, go and bring me dollars. Je vous ai dit, allez m'apporter les dollars. Find it anywhere you can see it. Partout, vous pouvez trouver cela. He said, I know I've constrained you. Il a dit, je sais que je t'ai contraint. But it's for your future. Mais c'est pour ton avenir. If you like, play with your own sons. Si tu veux, amuse-toi avec tes fils à toi. He said, if you like, leave them where you met them. Il me dit, si tu veux, laisse-les là où tu les as trouvés. But I cannot leave you where I met you. Mais je ne peux pas te laisser là où je t'ai trouvé. That is enough for me to pick offense. Ça, c'est suffisant pour moi d'être offensé. But I'm still called. Mais je suis encore venu. I'm still called. Je suis encore venu. Ça. J'ai encore appelé, j'ai dit, monsieur, have you arrived? Est-ce que vous êtes arrivé? He said, this boy. Il a dit, ce monsieur, I thought you would call me. Je pensais que tu n'allais pas m'appeler. I said, sir, j'ai dit, monsieur, I've grown above that level. J'ai grandi au-delà de ce niveau. I cannot be caught there. Je ne peux pas être, je peux pas m'arrêter à ce niveau. No. Non. 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 Anything I give you is privilege. Tout ce que je vous donne, c'est pas privilège. If you had told me to sell my car, I would sell. Si tu me demandais de vendre ma voiture, j'allais la vendre. You have proven to me that you have really grown. Il m'a dit, prophète Ayuk, tu m'as vraiment prouvé que tu as grandi. Because in the place of your service, there are things that will provoke you. Parce que dans ton lieu de service, il y a des choses qui vont t'irriter. Provoke you. Des choses qui vont t'irriter. Look at me. Regardez-moi. Do you know why in all the nonsense that happened in Israel the day of Eli? Est-ce que vous savez que dans toutes ces bêtises qui se sont produites au jour d'Élie, he didn't lose his life. Il n'a pas perdu sa vie. Bible says, and Eli sat on his seat. La Bible dit que Élie s'assit sur son siège. He was in his service place. C'était dans son lieu de service. Now when they lost victory, maintenant, lorsqu'ils ont perdu la victoire for the service of God, pour le service de Dieu, that is when he lost his life. C'est à ce moment-là qu'il a perdu sa vie. Because when your service is over, your service, your life is over. Parce que lorsque ton service est terminé, ta vie aussi est terminée. Bible says he fall backward and break his neck. La Bible dit qu'il est tombé sur le dos et a brisé son cou. I told you that Papa Talina came and repeated that this convention, the teaching is not for his bones. Papa Talina est venu répéter que cette convention, ce n'est pas pour du lait, mais ce sont des os qu'il nous donne à mâcher. Sir, monsieur, can you serve a man that is after your life? Est-ce que tu peux servir un homme qui court après ta vie? And you don't change your service. Et tu ne changes pas ton service. Est-ce que tu peux servir un homme qui te critique et tu ne changes pas ton service?
serve a man who does not see anything good in you and you still continue to serve? Est-ce que tu peux servir un homme qui ne voit rien de bon en toi et toi tu continues de servir la personne? Or your service is being regulated by your emotion. Ou alors ton service est régularisé par tes émotions. The day ever recognize your service is that day you didn't have transport to come to church and you trek. Le jour où le ciel reconnaît ton service, c'est le jour où tu n'avais pas le transport pour venir à l'église et tu as you trek. Tu as marché à pied. So today, I'm here to lead song, so I cannot lay down. I cannot disappoint God. Tu dis aujourd'hui, c'est moi qui conduis le chant, je peux pas décevoir Dieu. Sir, monsieur, let me shock you. Que je te choque. Do you want me to speak to you this night? Est-ce que tu voudrais que je te parle ce soir? I did Bible geography. J'ai fait la géographie biblique. You don't know how many kilometers it took. That's why it took for David to leave the forest and come to the house of his father. Vous ne connaissez pas combien de kilomètres David a eu à marcher pour quitter de là où il était pour arriver à la maison de son père. And Bible say after they pour oil on him, he returned. Et la Bible dit qu'après qu'on ait déversé lui sur lui, il est retourné. Now he returned not on a horseback as a king. Il est retourné pas sur un dos de cheval comme un roi. After they put oil on him, he still trek back. Après qu'on ait versé de lui sur lui, il a encore marché à pied. Thinking that now that his father knows that at least he's a future king. Pensant que maintenant que son père sait que c'est un roi à devenir, he could give him one of the horses, say, carry my boy back. Il aurait pu lui donner un de ses chevaux en disant, conduis mon fils. Geography said. La géographie dit, he trekked for 80 kilometers. Il a marché sur 8 kilomètres. 80 kilomètres. With oil on his head. Avec l'huile sur sa tête. You did not even change your position. Toi, on n'a même pas encore changé ta position. You have changed your service. Tu as changé ton service. With the oil on his head. Avec l'huile sur sa tête. The kingly oil. L'huile royale. The only king that is trekking. Le seul roi qui va à pied. The only king, le seul roi that is trekking, qui va à pied, and went back. Il est retourné. You don't know Bible. Vous ne connaissez pas la Bible. Immediately he reached. Dès qu'il est arrivé, hear what Bible says. Écoutez ce que la Bible dit. He sat down. Il s'est assis with the little food. Avec le peu de nourriture qu'il avait. He said, but I have not heard anything from Elijah, my elder brother. Il a dit, mais je n'ai rien entendu au sujet d'Eli, mon grand frère. Maybe they have died in the battleground. Peut-être ils sont morts sur le champ de bataille. Let me go and give them. Let me go and serve them. Que j'aille les servir. He was not going to fight Goliath. Il n'allait pas pour combattre Goliath. He was going to serve. Il allait servir. Before he met battle. Avant qu'il ne trouve la bataille. Il a tué le lion. Il a tué l'ours. When he came for anointing service, he didn't mention. Lorsqu'il est venu pour le service d'onction, il n'a pas fait mention de cela. Can your testimony influence your service negatively? Est-ce que ton témoignage peut influencer ton service de façon négative? You say my level now. Tu dis mon niveau maintenant. This usher works or not? Ce travail au service d'accueil, non, 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 non. They are commanding people, they're too much. On commande trop les gens là-bas. Interpreter, interprète, never. Crowd control, non, non, non. Crowd control, non, non, non. Where I am now. Là où je suis présentement. I want to pray for you. Je voudrais prier pour vous. Check your service life. Examinez votre vie de service. Your service determine your service. Votre service détermine ce qui vous revient. Your service determine the services that will be given to you. Votre service détermine ce qui vous revient ou le service qui vous sera rendu plus tard. Alors ne permettez jamais à un homme de vous enlever là où Dieu vous a placé de servir. They are gradually removing your name from those who will make impact. Graduellement, ils sont en train d'enlever votre nom des personnes qui vont laisser un impact.
I speaking to somebody? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? After David served his generation. Après que David ait servi sa génération. By the will of God. Selon la volonté de Dieu. By the will of God. Selon la volonté de Dieu. He came to the battleground. Il est arrivé sur le champ de bataille. That's the next thing I was supposed to talk, but I won't talk about that today. Ça, c'était la prochaine chose sur laquelle je devais parler, mais je ne parlerai pas de cela aujourd'hui. You will hear me talk tomorrow morning. Vous allez m'écouter parler demain matin. He came to the battleground. Il est arrivé au champ de bataille. I went direct to Saul. Et allait directement vers Saül. He went to Saul. Il est allé vers Saül. He didn't ask the soldiers. Il n'a pas demandé aux soldats. He went to Saul. Il est allé voir Saül. Is there not a cause? N'y a-t-il pas une malédiction? No. N'y a-t-il pas un prix? Une raison. Is there not a cause? N'y a-t-il pas une raison for this thing? Pour cette chose? He knew he would not need the garment of Saul, but he still collected. Il savait qu'il ne devait pas avoir besoin de l'armure de Saül, mais il a pris cela. He collected first. Il a d'abord pris l'armure. And try. Il a essayé. Saul saw it. Saül a vu cela avant qu'il n'enlève cette armure. He didn't reject it. Il n'a pas rejeté la chose. No, he tried it there. Il a d'abord porté cela sur lui. Even Saul confirmed, said, this thing cannot. Même Saül a confirmé que cette chose-là, non. You know, it's not just enough to serve, your attitude. Ce n'est pas suffisant de servir, mais votre attitude. He has never heard that Saul kill lion. Il n'a jamais entendu que Saül a tué un lion. Saul has not killed bear. Saül n'a pas tué un l'ours. But David had killed bear and lion without the garment of Saul. So minus the garment of Saul, he could handle Goliath. But for the purpose of recognition. Mais à cause de la reconnaissance, il n'a pas porté l'armure de Saül, bien qu'étant dans la forêt, il a tué le lion et l'ours sans avoir besoin de cette armure. Because they are men that when you don't recognize. Parce qu'il y a des hommes que lorsque vous ne les reconnaissez pas. No matter the oil on your head. Peu importe l'huile qui coule sur votre tête. You are wasting your time. Vous êtes simplement en train de perdre votre temps. There are people you don't recognize. Il y a des personnes que si vous ne les reconnaissez pas, oubliez au sujet de ce qui concerne cette vie. I told you the other day, je vous ai dit l'autre jour, I said the fire, j'ai dit le feu that Moses saw, que Moïse a vu, was a fellowship life of Jethro. C'était sa vie quotidienne qu'il avait avec Jethro. When God did not come to visit Moses, Dieu n'est pas venu pour visiter Moïse. Jethro is a priest. Jethro était un sacrificateur. La Bible dit qu'au lever du jour, Dieu rendait visite à l'homme. And the consuming fire came to visit the priest of Midian. Au coucher du jour, au coucher, à l'achevé de la journée, le Dieu venait rendre visite à l'homme. When Moses saw it to him, it became fire. Et quand Dieu a vu cela, pour lui, c'est devenu du feu. But for Jethro. Quand Moïse a vu, c'est devenu du feu, mais pour Jethro, it was a normal life. C'était une vie quotidienne. That's why when God spoke to the Israelites, c'est pourquoi lorsque Dieu a parlé aux Israélites, to them they heard thunder. Pour eux, ils ont entendu du tonnerre. But to Moses, it was a normal voice. Mais pour Moïse, c'était une voix normale. Bible says, la Bible dit, David, said to Saul, David a dit à Saül, sir, monsieur, thank you. Merci, oh. But, mais the reason why I don't want to use this thing, la raison pour laquelle je ne voudrais pas utiliser cette chose, is because why I was keeping my father's sheep. C'est parce que pendant que je gardais les brebis de mon père, now they saw your testimony now. C'est à ce moment-là que Saül a écouté le témoignage de David. It's not despise that is making me not to take your garment. Ce n'était pas le mépris qui a fait en sorte qu'il ne porte pas son vêtement. While I was keeping my father. Pendant que je prenais soin des brebis de mon sheep. Père. Des brebis de mon père. The lion came. Le lion est venu. I risked my life for something that was not my own. J'ai risqué ma vie pour quelque chose qui ne m'appartenait pas. Until you can take risks in service, you are not worthy. Juste à ce que tu puisses prendre des risques dans le service, tu n'es pas digne. Hey. Hey. Why are you looking at me like this? Pourquoi est-ce que vous me regardez ainsi? He said the bear came. Il a dit que l'ours est venu. I handled the bear. Je l'ai tué. Today, aujourd'hui, I will give the head of Goliath. Je donnerai la tête de Goliath.
You all know that Goliath came down. Vous savez tous que la tête de Goliath a été retranchée. David moved the head and gave Saul. David a pris cette tête et l'a remis à Saül. He gave the head of Goliath to Saul. Il a donné la tête de Goliath à Saül. Bible says. La Bible dit. And a man. Et un homme. If not that the man he was serving was a wicked man. Si ce n'est que l'homme qu'il servait était un homme méchant. When somebody kill a major general. Lorsque quelqu'un tue un général important. They promote you in the army. On te donne une promotion dans l'armée. But they gave him guitar. Mais on lui a remis une guitare. You, toi, you are not qualified to be a general. Tu n'es pas qualifié pour être un général. Take this guitar. Prends cette guitare. Any day evil spirit trouble me. Chaque fois qu'un esprit impur me dérange. Now, understand. Maintenant, comprenez. David was not playing that Saul should serve God. David ne jouait pas pour que Saül puisse servir Dieu. He was playing that Saul should be free from evil spirit. Il priait afin que Saül soit libéré des esprits impurs. So his service was to cover Saul from attack. Alors son service était de recouvrir Saül contre les attaques. He was not playing that, oh, it's time for worship. Il ne jouait pas sa guitare en disant ça c'est le temps d'adoration. And it is from there. Et c'est à partir de cet endroit that he grew his worship life. Qu'il a fait grandir sa vie d'adorateur. Ça, monsieur. It was somewhere that put David on the throne. C'est Samuel qui a intronisé David. It was somewhere that put Saul on the throne. C'est Samuel qui a intronisé Saül. It was custom in Israel that it is a prophet that enthrones a king. C'était d'accoutumé en Israël que c'est un prophète qui doit introniser un roi. But the service capacity of David gave him the audacity to put Solomon on the throne, even when Nathan was alive. Mais la capacité du service de David lui a donné l'audacité de mettre Salomon sur le trône. Bien que Nathan était vivant. Even when Abiathar the priest was there. Bien qu'Abiathar le sacrificateur était the vivant. The capacity of his service life. La capacité de sa vie de service. Allow God to give him a prophetic bad marking. A permis à Dieu de lui donner un soutien prophétique. That he enthroned his son king. Au point où il a intronisé son fils roi. King don't make king in the days. Les rois ne font pas des rois d'un jour. It's prophets that make king. Mais ce sont les prophètes qui placent des rois. But David put his son Solomon. Mais David a placé son fils Salomon. For God to confirm, he gave Solomon rest about. Et pour Dieu de confirmer cela, il a accordé à Salomon la paix dans tous les territoires. I want to close. Je voudrais conclure. Don't serve because of the oil. Ne sers pas à cause de l'huile. Serve because of the horn. Mais sers à cause de la corne. Because when you hold the horn, parce que lorsque tu tiens la corne, it becomes generational. Cela devient générationnel. The scepter shall not depart. Le sceptre ne quittera pas. Saul had the oil on his head. Saül avait l'huile sur sa tête. He didn't have the horn. Mais il n'avait pas la corne. When Bible say, when Samuel died, la Bible dit que lorsque Samuel est mort, Saul didn't attend his burial. Saül n'a pas assisté à son enterrement. He was in the burial of Samuel. Mais c'était à l'enterrement de Samuel that Abiah, que Aka a paru, carried the horn of oil, qu'Abiah a porté la corne and handed over it to David. Et a remis cela à David. So the mantle of the prophetic did not continue. It was shifted to David. Alors le manteau du prophétique n'a pas continué. Cela a été déplacé David pour David. David became a king and a prophet. David est devenu un roi et un prophète. To make the devil mad, he also entered the dimension of a priest. Et pour rendre le diable fou, il est aussi entré dans la dimension de sacrificateur. Because he ate sacrifice of God. Parce qu'il a mangé le sacrifice de Dieu. God came down and said, this is a man after my heart. Dieu est descendu et a dit, voici un homme selon mon cœur. There are things that people of service can do. Il y a des choses que des personnes qui rendent service peuvent faire. If you copy it, heaven will not back you. Mais si tu copies cela, le ciel ne se soutiendra pas. I can shock you. Je peux vous choquer. David ate the food of God. David a mangé la nourriture qui était due à God Dieu. God came and clapped for him. Dieu est descendu acclamer pour lui. When Saul tried, lorsque Saül a essayé, God turned his back from Saul.
Dieu a retourné son visage de He Dieu. He said, "We don't know your service." Il a dit, nous ne reconnaissons pas ton service. Because it is service that gives people capacity. Parce que c'est le service qui donne à des personnes la capacité. It is service that gives people platform and authority. C'est le service qui donne à des personnes la plateforme et l'autorité. He said, "We don't recognize your service." Il a dit, nous ne reconnaissons pas ton service. So this thing you are trying to do. Cette chose donc que tu essayes de faire. Is not accepted. N'est pas accepté. This man David. Cet homme David. Has served you. T'a servi. Has served Samuel. A servi Samuel. Has served Israel. A servi Israël. You, who did you serve? Toi qui as-tu servi? The first service trip you had, you brought gold for yourself. Le premier service que tu devais faire, tu as pris la chair, porté la chair pour toi-même. You didn't go to give Samuel. Tu n'es pas allé donner le butin à Samuel. It's when Samuel came and visited you that he heard God crying. C'est quand Samuel est venu te rendre visite qu'il a entendu la chèvre pleurer. You were waiting for Samuel to come to you instead for you to go to Samuel. Tu attendais que Samuel vienne à toi au lieu de pour toi d'aller vers Samuel. He said you can't break protocol and continue. Il a dit tu ne peux pas briser le protocole et continuer. I lift up my hands today. Je lève ma main aujourd'hui. I release the oil to serve on your head. Je relâche l'huile du service sur ta That tête. That your generation will celebrate the day you leave this world. Afin que ta génération puisse célébrer le jour où tu quitteras ce monde. No matter how they are trying to frustrate you at your place of service, receive capacity. Peu importe comment on essaie de te frustrer à ton lieu de service, reçois la capacité. You didn't say amen, somebody. Quelqu'un n'a pas dit amen. Receive capacity now. Reçois la capacité maintenant. I might not like the way you usher. You are not ushering unto me. You are ushering unto God. Je peux ne pas aimer ta façon de travailler au service d'accueil, mais c'est pas pour moi que tu le fais, mais tu le fais pour I might Dieu. Not like the way you sing. You are not singing to me. You are singing unto the Je Lord. Je peux ne pas aimer ta façon de chanter, mais tu ne chantes pas pour moi, mais pour l'Éternel. Who am I talking to in this service? À qui est-ce que je m'adresse dans ce service? I carry the oil of service that is on my head. Je porte l'huile du service qui se trouve I sur ma tête. In your life now. Et c'est parti cela dans ta vie Let maintenant. Let your amen come out like thunder. Que ton amen sorte comme du tonnerre. You will serve me, your spiritual father. Tu me serviras moi, ton père spirituel. Receive capacity to serve without grumbling and murmuring. Reçois la capacité de servir sans aucun murmure. Receive insight to serve without complaint. Reçois la révélation, la connaissance pour servir sans se plaindre. Become a tireless servant. Deviens un serviteur qui ne se fatigue pas. Become an excited servant. Deviens serviteur. Become a committed servant. Deviens serviteur dévoué. Somebody shout fire! Yeah, 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 yeah. Sit down. Let me make the last statement. Asseyez-vous que je fasse la dernière déclaration. Écoutez-moi. If you are a pastor, you don't have more people in your church who are serving. You don't have a church. Si tu es pasteur et dans ton église tu n'as pas plus de personnes qui servent, alors tu n'as pas d'église. Service. Oh no, my daughter entered my office. L'une de mes filles est entrée dans mon bureau. He said, I see you are boarding for convention. Elle a dit, je vois ton fardeau pour la convention. She gave me 500,000. Elle m'a donné 500 000 francs CFA. She paid hotel for people. Elle m'a dit, paye les chambres d'hôtel pour les personnes. Following day, she came back. Le lendemain, elle est revenue. He said, I see your body. Elle dit, je vois ton fardeau. Take 1 million. Prends 1 million. Continue, this thing you are doing. Continue ce que tu fais. What are they doing? Qu'est-ce que ces personnes sont en train de faire? What are they doing? Qu'est-ce qu'elle fait? Another one entered my office. Une autre personne entre dans mon bureau aujourd'hui. He said, I did not sleep the whole night. Il a dit, je n'ai pas dormi toute la nuit. This is the last money I have in my account. Ça, c'est le dernier montant que j'ai dans mon compte. Take. Prends. Because when we see you stressed, we are not happy. Parce que quand nous te voyons passer par un stress, nous ne sommes pas contents. When we see your face twisted, we are not happy. Quand nous voyons ton visage foncé, nous ne sommes pas contents. Because in serving your generation with you, we are serving a generation. Parce qu'en servant ta génération avec toi, nous sommes en train de servir une génération. As you stand as a protocol, you are serving your generation. Comme tu te tiens comme un membre du service du protocole, tu sers ta génération. As you stand as a choir member, you are serving. Comme tu te tiens comme un membre de la chorale, tu sers. As you stand as a greeter, comme tu te tiens comme une hôtesse. I have children. J'ai des enfants. They will give food and still go and wash all the plates. Elles vont servir, elles vont quoi aller laver tous les plats. After service, ushers, we make this place clean. Après le service, les membres du service d'accueil vont rendre cet endroit propre. Why? Pourquoi? They are serving, hein?
sont en train de servir. What am I doing now? Qu'est-ce que je fais présentement? I'm serving. Je sers. Heaven will take me good today. Le ciel va me cocher bien aujourd'hui. I will go to the roster of choir. Je vais aller vers le centre de la chorale. He saw choir present. Heaven will take choir good. Il va cocher chorale présente. He will go to the sanitaire. Il va aller à l'hygiène et salubrité. If you want to know that people are serving, go to the. I went to the toilet. I had blockade in the toilet. Si vous voulez voir que les gens sont en train de servir, allez dans les toilettes. Je suis allé là-bas et j'ai mangé du pain dans les toilettes. Because of the way it's clean. À cause de la propreté qui s'y trouve. Other people pour, other people go to wash it. D'autres personnes excrètent, d'autres personnes viennent pour nettoyer. Service is stronger than prayer. Le service est plus fort que la prière. Le service est plus fort que la prière. Si nous n'avons pas des personnes dans l'église qui peuvent servir, alors nous n'avons pas d'église. Let me talk to you and we close. Que je vous parle et puis on va conclure. Tomorrow morning, demain matin, it's anointing service. C'est le culte d'onction. You will receive the anointing for impact. Vous allez recevoir l'onction pour l'impartition. Men of high dimension will rise from this platform. Les hommes d'une plus grande dimension vont s'élever à partir de cette plateforme. Are you hearing what I'm talking about? Est-ce que vous entendez ce que je dis? A pastor announced in his church. Un pasteur a annoncé dans son église that they needed money to do something. Qu'ils avaient besoin d'argent pour faire quelque chose. After service, après le service, three of his members enter his office. Trois de ses membres sont entrés dans son bureau. And botting him. Et l'ont cravaté. And said, this is the last time in this church. En lui disant, ça c'est la dernière fois dans cette église. We stand on that altar and talk money. Que tu te tiens sur cet autel et tu parles d'argent. You want God to kill us? Tu veux que Dieu nous tue? You have done your own very well. You don't want us to do our own? Tu as bien joué ta part, alors tu ne voudrais pas que nous puissions jouer notre rôle. They hold his neck. Ils ont tenu son cou. Say, this is the last time. En lui disant, ça c'est la dernière fois. Don't try it. N'essaye plus. Pastor, say, you don't know the kind of project we do here. Le pasteur dit, ah, vous ne connaissez pas le genre de projet que nous faisons ici. Ils ont dit, parce que tu ne nous as pas parlé de cela. Okay. Il a dit, ok. We need $1 billion to do this, this, this. Nous avons besoin d'un milliard pour faire ça, ça, ça. The three billion. Les trois ont écrit 3 milliards. They say, use $1 billion to do that thing. Ils leur ont dit, utilise 1 milliard pour faire cette chose. Use another $1 billion for yourself. 1 milliard pour toi-même. And then for another thing that we yet to come, let this one be reserved. Et pour d'autres choses qui feront se présenter, que ceci soit réservé. Men like that are rising from my voice. Les hommes de telle sorte s'élèvent à partir de ma voix. That after convention like this, you will enter in my office with a ticket business class. Say, Papa, go to UK, go and sleep. Après une convention comme ça, tu seras dans mon bureau avec un vieux. Where are those people? Carry now oil. Papa va te reposer. Où sont ces personnes? Your amen is not strong. I say, carry now oil. Ton amen n'est pas assez fort. Je dis, reçois cette huile maintenant. Asseyez-vous. I want to pray for you. Je voudrais prier pour vous. My man, service is privilege. Le service est un privilège. When you don't see it as a privilege, you will find fault. Lorsque tu ne vois pas cela comme étant un privilège, tu vas chercher des fautes. You will amplify negative things. Tu vas amplifier les choses négatives. I said the other day when I was teaching pastors. J'ai dit l'autre jour pendant que j'enseignais les pasteurs. As minister, when we make mistake, let's not be arrogant. En tant que ministre, ne soyons pas arrogants quand nous faisons des déclarations, des erreurs. You know, Saul never reported somewhere. David never reported Saul to Samuel. Vous savez que David n'a jamais accusé ou reporté Saül chez Samuel. C'est si I'm in his house, he want to kill me. En disant, tu vois, il veut me tuer. I'm in his house, he has shoot me 3 times. Je suis dans sa maison, il a essayé de tirer sur moi 3 fois. He never. Il ne l'a jamais fait. Do you know that David never exposed the sin of Saul? Est-ce que vous savez que David n'a jamais exposé le péché de Saül? Ce sont les personnes qui ont écrit les Écritures qui nous ont dit ce qui était arrivé à Saül. Ce sont les personnes qui ont écrit les Écritures qui nous ont dit ce qui est arrivé à Saül. He never opened his mouth. Il n'a jamais ouvert sa bouche. Service is very strong. Monsieur, ça c'est très puissant.
Le service very strong. Est très puissant. Il n'a jamais ouvert sa bouche. Il est écrit après que David ait servi Dieu selon sa volonté. He slept. Il s'est endormi. Because people who serve don't die, they sleep. Parce que les personnes qui servent ne meurent pas, elles s'endorment. They don't have accident. Elles n'ont pas d'accident. They don't carry them for blood pressure. They sleep. On ne les transporte pas à cause d'une attaque, alors ces personnes s'endorment. Who am I talking? À qui est-ce que je m'adresse? Who am I talking? À qui est-ce que je m'adresse? You will live here until they beg you to die. Tu vivras ici jusqu'à ce qu'on te suppliera à mourir. Ézéchias s'est défié Dieu par son service. Not by his prayer life. Pas par sa vie de prière. By his service. Par son service. The day Aaron stopped his service, they removed the garment from him and put on his son. Le jour où Aaron a arrêté son service, on a ôté le vêtement de lui, on a mis cela sur son fils. And he died at Mount Hor. Et il est mort au Mont Hor. Many have died at Mount Hor. Plusieurs personnes sont mortes au Mont Hor. He died. Il est mort. You don't understand what I'm teaching. Vous n'êtes pas en train de comprendre ce que j'enseigne. He died. Il est mort. At Mount Hor. Au Mont Hor. Sir, do you know why Jesus came from David's lineage? Monsieur, est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu de la lignée de David? Jesus was supposed to come from the lineage of Aaron. Il était censé sortir de la lignée de Aaron. Sir, because Aaron was the first high priest. Parce que Aaron était le premier souverain sacrificateur. Aaron was the prophecy of the arrival of Jesus. Aaron était la prophétie de l'arrivée de Jésus. I take it again. Je me répète. Aaron was the prophecy of the arrival of Jesus. Aaron était la prophétie de l'arrivée de Jésus. Because he was the high priest. Parce qu'il était le souverain sacrificateur. When Moses set the tabernacle. Lorsque Moïse a construit le tabernacle. Men of service are men of great heart. Les hommes de service sont les hommes au grand cœur. No matter the revelation that God gave Moses, Moses never entered Holy of Holies. Peu importe la révélation que Dieu donnait à Moïse, Moïse n'est jamais entré dans le lieu très saint. It was Aaron that was going to the Holy of Holies. C'était Aaron qui allait dans le lieu très saint. It was not Moses. Ce n'était pas Moïse. But it was Moses that received the tabernacle. Mais c'était Moïse qui a reçu le tabernacle. He established Aaron as the high priest. Il a établi Aaron comme le souverain sacrificateur. That go with the sins of the man that received the tabernacle. Qui allait présenter le péché de l'homme qui a reçu le tabernacle. You didn't hear me. Vous m'avez pas entendu. When he's going to make atonement of the sin of Israel, he carried even the sin of the man that established the tabernacle. Lorsqu'il allait faire l'expiation des péchés des Israélites, il allait même avec celui-là qui en a donné la responsabilité de bâtir le tabernacle. And they will be waiting outside. Et il devait attendre à l'extérieur. Whether he will come out. Pour voir s'il sortira. Then after Aaron will come out. Après cela, Aaron devait sortir. Everybody will begin to smile. Tout le monde allait commencer à sourire. Now listen to me. Écoutez-moi. Are you sure you want me to still speak to you for 2 minutes? Est-ce que vous êtes sûr que vous voudrez que je parle encore pour 2 minutes? Are you sure you want me to speak to you? Est-ce que vous êtes sûr? But Aaron missed it. Mais Aaron a raté cela. The day he laid his mouth on Moses. Le jour où il a levé sa bouche contre Moïse. God stood in heaven. Dieu s'est tenu au ciel. And changed the paradigm. Et a changé le paradigme. And recalculated. Et a recalculé. And said no. En disant non. For touching this place, pour avoir touché cet endroit. There cannot be continuity. Il ne peut pas avoir de continuité. Now I'm going to mess all my plans. Maintenant je suis obligé de bouleverser tout mon plan. God messed the plan. Dieu a changé son plan. And established another man. Et a établi un autre homme. Whose name was Eli. Dont le nom était Eli. Eli was there. Eli était là. I'm going somewhere. Je vais quelque part. And there was another woman who comes every day to cry. Her name was Hannah. Et il y a une femme qui venait chaque jour pour pleurer. Son nom c'était Anne. God said I'm going to shift this thing right now. Dieu a dit que je vais décaler cette chose maintenant. Samuel will come. Samuel viendra. And in Samuel. Et en Samuel. I will give oil to David. Je donnerai l'huile à David. And in David. Et en David. I will find out. Je trouverai if he plays with Samuel, s'il s'amuse avec Samuel or Saul, ou Saül, he will be where he will pass his test. Alors s'il s'amuse pas avec ces personnes, il aura réussi à son test. So the reputation of Aaron and Moses came for Saul and David. Alors la répétition de Saül et Samuel est revenue d'après celle de Moïse et d'Aaron. I say it again. Je me reprends. There will always be a replay. Il y aura toujours une rediffusion. The
repetition of Aaron. La répétition d'Aaron. And Moses. Et Moïse. Came for David and Saul. Est venu de David et Saül. But the difference is the Bible says like you always say, and David behaved himself. Mais la différence est comme je vais le dire, on a l'habitude de le dire, David se comporta. David by divine privilege opened his eyes and saw the future. David par privilège divin a ouvert les yeux et il a vu l'avenir. And saw a man coming whose name is Jesus Christ. Il a vu un homme venir dont le nom était Jésus-Christ. He said, so if I do what Aaron do, this man will not come by my lineage. Il a dit alors si je fais ce que Aaron a fait, cet homme s'il ne sortira pas de ma lignée. So Saul did everything for David to touch him. Alors Saül a tout fait afin que David puisse l'offenser. So that he will cancel the impact of David. Afin qu'il puisse annuler l'impact de David. David said, "You can provoke me, but I know how to subdue the pressure." David a dit, tu peux me provoquer, mais je sais comment assujettir la pression. No matter what you do to me. Peu importe ce que tu me fais. I can suffer it for now because I know there is a future. Je peux souffrir de cela maintenant, mais je sais qu'il y a un avenir. Until you know there is a future, you cannot accept certain nonsense. Jusqu'à ce que tu saches qu'il y a un avenir. Tu peux pas accepter certaines conneries. When you see small boys climbing on great men, they think that they have sense. They don't have sense. It's because those people on the floor know that there is a future. Lorsque tu vois des petits garçons marcher sur de grandes personnes, ils pensent qu'ils sont trop réfléchis, mais ils ne sont pas réfléchis. C'est parce que ces personnes au sol savent qu'ils ont un grand avenir. Monsieur. David says. David a dit, I will not touch the Lord. Je ne toucherai pas l'Éternel. The Lord's anointed. Loin de l'Éternel. I will not. Je ne le ferai pas. He met with him face to face in the cave. Il s'est retrouvé avec lui face à face dans une cage. Watch this as I close. Regardez pendant que je conclue. David a coupé une partie de son vêtement. The day he cut his clothes, God also came and cut the kingdom. Le jour où il a coupé son vêtement, Dieu aussi est venu lui a retranché le royaume. God divided the kingdom into two. Dieu a divisé le royaume en deux. Because David cut the half piece of Saul's dress. Parce que David a coupé une pièce du vêtement. God divided the kingdom into two. Dieu a divisé le royaume en deux. Imagine that David had touched Saul. Imaginez un seul instant que David avait touché Saul. God will divert the kingdom. Dieu allait dévier le royaume. For touching the clothes. Pour avoir touché le vêtement. God divided the kingdom. Dieu a divisé le royaume. Imagine if he had dived, if he had touched him. Imaginez qu'il avait touché Saül. The sword. L'épée. The sword. L'épée. That Saul sent. Que Saül a envoyé. That David dodged. Que David a esquivé. He was the sword that returned. C'est cette même épée qui a revenu. And it was the same sword that killed Saul. C'est cette même épée qui a tué Saül. And when Saul died, David cried. Et lorsque Saül est mort, David a pleuré. How are the mighty falling? Pour comment est-ce que les géants he said, publish it not. Il a dit ne publiez pas cela. Don't publish this thing. Ne publiez pas cette chose. If you publish it, we are finished. Si vous la publiez, alors nous sommes terminés. That's why. C'est pourquoi. When he killed Uriah. Lorsqu'il a tué Uriah. It is only Nathan that could see it. Il n'y a que Nathan qui a pu voir cela. God could not publish the sin of David. Dieu n'a pas pu rendre public le péché de David. Because David did not publish the sin of Saul. Parce que David n'avait pas publié. Les péchés de Saül. Who you are ready to show mercy will determine how God shows you mercy. La personne à qui tu es prêt à témoigner la miséricorde déterminera comment Dieu te démontrera sa miséricorde. Don't play with the sins of your pastor. Ne t'amuse pas avec les péchés de tes pasteurs. It's a trap web for your life. C'est un piège pour ta vie. I repeat myself. Je me reprends. If it's your husband, même si c'est ton mari, it's a trap web. C'est un piège for your life. Pour ta vie. Zipporah escaped judgment by not putting her mouth. Sephora a échappé au jugement parce qu'elle n'a pas mis sa bouche. When they spoke about the Egyptian woman, lorsqu'on a parlé contre la femme égyptienne, she didn't put her mouth. Elle n'a pas mis sa bouche dans les dents. Miriam and Aaron that spoke, their destiny ended. Miriam et Aaron qui avaient parlé, leur destinée s'est achevée. Zipporah did not open her mouth. Sephora n'avait pas ouvert la bouche. Who am I talking to tonight? À qui est-ce que je m'adresse ce soir? Who am I speaking to yet? À qui est-ce que je m'adresse ce soir? Who am I speaking to? À qui est-ce que je m'adresse? Then Jesus found expression. Maintenant Jésus a trouvé une expression. Through the lineage
lineage of David. Au travers de la lignée de David. A man that said, I was conceived from him from iniquity. Un homme dont on a dit qu'il fut conçu dans l'iniquité. Hey, hey. But when you call Jesus, mais lorsque tu appelles Jésus, son of David, fils de David, virtue will flow from him. La vertu va couler de lui. The iniquity of David, l'iniquité de David, did not limit the power of God to penetrate his descendants. N'a pas limité la puissance de Dieu pour pénétrer dans sa descendance. Who am I speaking to in this service? À qui est-ce que je m'adresse dans ce service? We live in a time where people run their mouth without knowing the future. Nous vivons dans une époque où les gens s'empressent à parler pourtant ils ne connaissent même pas l'avenir. The place where they put you to serve is not to find fault, it's to serve. L'endroit où on te met pour servir, ce n'est pas pour chercher des fautes, mais c'est pour servir. Carry it, carry all your worries to God. Présente toutes tes inquiétudes à Dieu. Now let me say the one that will shock you and pray. Maintenant que je vous dis ce qui vous choquerait, puis qu'on va prier. David never told any of his generals what Saul wanted to do with him. David n'a jamais dit à aucun de ses généraux ce que Saül voulait faire de lui. If not, they should have killed Saul. Sinon, ils auraient tué Saül. Stand to your feet. Mettez-vous sur vos pieds. If not, they call them the